Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo solde, voilà ma deuxième partie dont je vous avais parlé. J'ai effectué donc des soldes en ligne chez Zara et chez H&M. Je vous montre ça, mais tout d'abord, là je reviens tout juste du magasin Besson, je cherchais donc des bottes. Et j'ai trouvé mon bonheur, j'ai trouvé donc une paire soldée à moins 30%, l'autre non. Par contre je suis un petit peu dégoûtée, mais bon en tout cas je suis super bien dedans, c'est ça aussi qui m'a fait craquer. Il n'était pas question d'en prendre deux, mais quand je les ai enfilés, franchement j'étais comme dans des chaussons, je me suis dit bingo, je les prends. Voilà, c'est des bottes que je vais mettre pour tous les jours pour aller au travail. Elles ont un petit talon, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, c'est la marque Free Monday, je vous montre déjà la paire de bottes soldées à moins 30%. Donc voilà à quoi elles ressemblent et franchement je suis super bien dedans. Alors elles sont à enfiler donc c'est très pratique. Elles sont pas du tout difficiles à mettre, un petit peu plus à retirer. Mais voilà, je suis mais tellement bien dedans. Et en plus, je prends un petit peu de hauteur, donc ça, c'est très bien. Donc, il y a marqué dessus cuir et sous-pied cuir, donc on verra bien. J'ai pris du 37 pour mon 37, et franchement, elles sont top. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'elles étaient assez hautes, comme ça, pour les pantacourts un petit peu, voilà, ou pour mettre sous le jean, ça peut faire aussi sympa. Je voulais pas trop haut non plus, même s'il y avait également dans la même marque des bottes plus hautes. Et elles étaient aussi soldées à moins 30%. J'ai hésité, mais finalement, voilà, je me dis que j'aurai moins l'occasion de les mettre. Celles-ci, je sais que je les porterai très facilement. Voilà, je vous montrerai en vidéo ce que ça donne, mais elles sont top. C'était à 79€ et je les ai eues à moins 30%. Donc voici la deuxième paire. Celle-ci, par contre, n'était pas soldée. Elles sont toutes les deux de la même marque et elles ont quasiment la même forme. Des modèles très identiques, sauf que celle-ci, c'est des low boots, donc voilà, la tige est plus petite, pareil, à enfiler, avec l'esprit un peu chaussette comme ça. Et franchement, je suis trop trop bien. Celle-ci, comme l'autre, en fait, elle est un petit peu molletonnée. Vous êtes très confortable à l'intérieur, donc ça, c'est chouette. Voilà pour ça. Franchement, top, je suis ravie. Ensuite, donc, comme je vous disais, j'ai fait les soldes en ligne et j'ai pris notamment ce petit haut, ce petit gilet. Je le trouve trop mignon, je suis trop bien dedans et il est très, très chaud. Je vous montre comme ça. Voilà, il est tout simple. Et vous avez des manches comme ça assez larges. J'adore. Enfin, voilà, on est super bien dedans. Des petits boutons. Il est hyper agréable à porter. Il est hyper doux. Il n'est pas très long. Mais franchement, ces petits tops, je crois que je l'ai pris en XL. Et il a coûté ouais, peut-être 10 euros, 9 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce haut qui est très sympa. Donc voilà, j'ai profité aussi des soldes pour refaire le stock de jeans parce que j'en ai plus beaucoup. Les soldes étaient intéressants sur le site H&M. Les jeans avaient pas forcément une grosse réduction, mais en tout cas, ça dépassait pas les 20 euros. Donc je vous montre tout ça. Donc c'est beaucoup des jeggings, des jeans assez moulants parce que pour l'hiver, moi je préfère, ça me tient bien chaud. Vous vous enfilez, voilà, donc justement des bottes avec et ça fait très sympa, un petit haut large. Et voilà, pour le matin, moi je fais très simple, très facile. Et je garde plutôt les jeans mom, tout ça, pour l'été, printemps-été. Je trouve que ce sont des jeans qui tiennent moins chaud. Et donc voilà, c'est plus agréable pour moi de les porter à cette saison. Donc du coup, j'ai pris beaucoup de slim et beaucoup de jeggings. Un peu dans toutes les couleurs. Et il y aura un pantalon aussi, un pince. J'ai voulu essayer. Je pense que je vais le garder. Je verrai encore. Je vais réessayer, voir. Il y a tout ça en jean. Alors j'ai pris plusieurs tailles aussi pour voir un petit peu. Donc notamment celui-ci que je trouve canon. Je vous mets... Alors je vais essayer de vous mettre les images juste ici. Alors celui-ci, c'est une taille 40. C'est un jean gris. Des poches, j'ai envie de dire normal, voilà comme ça, c'est une braguette avec bouton, il est un petit peu élastane et il est tout droit, voilà. Il y en a un qui est assez grand, je ne sais pas si je le garde encore, je verrai, mais en tout cas ils sont tous très très jolis. Voilà pour celui-ci qui tombe, voilà tout simple, hein, voilà, tout droit comme ça, donc voilà. Ensuite, j'ai pris aussi un pantalon à pince. Voilà, j'ai voulu essayer. Il a l'air plutôt sympa celui-là. Celui-ci, je l'ai pris en 38. Alors, il est tout noir. Vous avez des petits clips comme ça et une braguette. Derrière, c'est élastiqué. Un pantalon à pince, voilà, tout simple. Derrière, vous avez donc des fausses poches. Voilà. Et il part tout droit, les jambes assez larges. J'aime beaucoup aussi. Ça, avec des petites chaussures, des petites bottines habillées, ça peut faire aussi très joli. J'en ai pas. C'était l'occasion de le prendre en solde. Ensuite, là, donc, on passe au bleu, dont j'ai pris deux tailles. Donc là, c'est un jegging. Je vous montre un petit peu. Donc c'est un skinny fit ultra high waist ankle. Donc une taille haute. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos.
Petit bouton, voilà, classique, braguette, ça j'aime bien. Fausse poche donc. Et derrière, comme ça, voilà. Un bleu assez clair, mais pas trop délavé non plus. Tout droit. Voilà, il moule, hein, il moule complètement. Moi, j'aime bien. J'en avais plus. C'était l'occasion, comme je vous disais. Il n'était pas très cher. Donc celui-ci, c'était le même, mais en 40. J'ai pris le M. Et puis, vous avez, donc j'ai pris un autre jegging. Je crois que c'est celui-ci qui taille un peu grand. Je ne sais pas si je le garde, celui-ci, les Skinny Fit Ultra Height Waist, pareil, un taille haute. Mais pour le coup, je ne sais pas, je peux peut-être le garder. J'aime bien la couleur aussi, tout gris comme ça. Voilà. Et le derrière, comme ça. Et j'en ai pris un autre que je porte actuellement. C'est un jean brut que j'adore. Voilà, j'adore cette couleur-là. J'en avais plus. Et donc, voilà, j'en ai racheté un. Je vous mets les images juste là. J'ai pris aussi quelques articles pour mon fils sur le site Zara. C'est l'occasion en général, je lui refais aussi sa garde-robe au moment des soldes et d'hiver et d'été. Et là, je lui ai pris beaucoup d'articles d'été. Il y a beaucoup de t-shirts, des choses comme ça. Donc, je vous montre tout ça, si ça peut vous aider à vous inspirer. Je ne sais pas si on les trouve encore. Je vous montre. Alors, j'ai pris pas mal de t-shirts parce que bah, ça valait le coup. Puis en plus, là, je vais faire aussi un gros tri. Je mettrai tout ça sur mon Vinted. Donc voilà, en attendant, je lui en ai pris pas mal. Donc celui-ci en 8-9 ans, voilà tout simple. Et alors là, j'ai pas les prix. Là, il était à 5 €, mais je pense que je l'ai eu à moins cher. Petite manette de jeu derrière, c'est tout simple. Voilà. Alors j'ai pris un peu toutes les couleurs, comme ça au moins. Ensuite, je lui ai pris celui-ci qui est trop mignon aussi, je trouve, ce vert là, comme ça pour l'été, ça va faire très sympa. Si c'est pas les prix soldés, je vous le mettrai, mais en tout cas, il était à 7 €. Voilà, pour celui-ci, j'ai peur qu'il soit un peu petit, j'ai tout pris en 8-9 ans pourtant, on verra. Ensuite j'ai pris du jaune, voilà, il est trop sympa aussi, celui-ci, alors je l'ai pris en 8-9 ans, toujours à 7 €. Donc franchement, voilà, comme ça il est pareil pour cet été, il a tout ce qu'il faut. Pareil en 8-9 ans, j'ai pris celui-ci, tout simple, celui-ci était à 6 €, toujours en 8-9 ans. J'aime trop, moi, les vêtements Zara, je les trouve trop bien. À chaque fois, je lui prends tout là-bas. En tout cas, beaucoup. Pareil, 8-9 ans. Et là, je n'ai pas le prix. Donc voilà, en gris. Derrière, vous avez un petit imprimé comme ça. Je le trouve très sympa aussi. Ensuite, je lui ai pris... Bon, celui-ci, de base, il était à 10 €. Mais je ne l'ai pas acheté 10 €. Ça, c'est sûr. Voilà. Je ne sais même pas ce que ça représente. There is a poster, 9-10 ans, là je lui ai pris du 9-10 ans. Ouais, il devait rester plus que ça, je me suis dit que de toute manière, ça rétrécit au lavage, donc ça lui ira. Et toujours en 8-9 ans, 6,95 €, tout jaune, tout simple, il n'y a rien derrière. Donc voilà pour ça. J'ai pris également un petit jean comme ça, tout mignon, 9-10 ans, regular fit, voilà celui-ci. Franchement, il est sympa comme tout, il a l'air hyper agréable. Donc, vous avez donc la braguette, le bouton. Et est-ce qu'on peut les resserrer? Oui, et on peut les resserrer aussi via le petit élastique. Donc ça, c'est très pratique. Et il tombe tout droit, parce que mon fils est très fin au niveau du haut. Et, mais par contre, il est très grand. On va prendre un petit jogging tout gris, très sympa aussi. Voilà, en 8 ans. Et là, il était à 12 €. Et il est hyper agréable aussi à porter. Je vous montre derrière. Voilà, et je lui ai pris également quelque chose de non soldé. Je lui ai pris des Pokémon. Donc, regardez, voilà, gris comme ça avec la capuche. Et celui-ci, il n'était pas soldé. Et je crois qu'il était à 20 €. 20-25 €. Et derrière, il est très mignon. Voilà, on a Pikachu. Voilà, il est très chouette.
Et ben voilà, je crois qu'on en a fini pour ma vidéo solde. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me mettre un petit pouce en l'air, voilà, pour m'encourager. Je vous mets tous les liens sous la vidéo si je les trouve. Et puis ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !